Bonjour YouTube, bienvenue dans cette VOD. Une VOD où nous allons créer notre propre royaume. Une VOD où nous allons prendre notre indépendance. Une VOD où la guerre sera menée. Et jusqu'à maintenant, nous avons tissé nos toiles, dans lesquelles les Kuzaïtes se sont mêlés et ils sont maintenant emprisonnés. Lors du dernier live, j'ai utilisé mon influence pour... diplomatiquement, politiquement, réduire la puissance du royaume. Nous en sommes à un point où les clans ne peuvent presque plus voter dans les lois alors qu'il me reste de l'influence. Et potentiellement, je vais essayer d'exiler un clan, d'expulser un clan du royaume pour qu'ils rejoignent mon royaume juste après. Ensuite, ils n'auront plus assez d'influence pour créer une armée rapidement. Et donc... je pourrais riposter facilement et prendre une ville ennemie au moins au début. On y va! C'est parti. Après, tout ça c'est le plan et c'est pas sûr que ça se passe comme prévu. Bien sûr. Allons-y. C'est plutôt lors de la dernière VOD, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit encore? Je me suis trompé dans ce que je voulais dire. Allez. Je bois encore un petit peu d'eau. Comme le dit Julien, à la guerre! Le sang des hommes coulera cette nuit. Il n'y aura pas d'eau pour les hommes. Ok. Bon bah c'est parti hein. Je dissous mon armée. Je la reforme. J'appelle le chef de clan. Messieurs, madame. Je vous convoque. Currently fighting an enemy. La convocation va mettre un petit peu de temps à arriver. Comment ça, elle se bat contre qui là? Comment ça? Mais elle se bat là? Elle se bat... dans le désert? Qu'est-ce qu'elle nous fait? Le temps est un petit peu passé, fais voir. Ah, ça y est, je peux l'appeler. Allez! Rejoins-moi. Ouais, je sais Malik, la série Obi-Wan a été repoussée de 2 jours. Et il y aura 2 épisodes qui sortiront en une fois. Donc c'est pas plus mal. Capitaine, la langue de ton jeu. Bien vu. Hop là, merci. Oui, Rick, j'ai vu que j'étais en guerre contre les Bataniens. Quelle sera ta première cible en tant que royaume indépendant? Ça c'est la grande question. Je sais pas, ça se fera surtout en fonction des clans que j'ai réussi à recruter et tout. Ça se fera surtout comme ça. J'avoue que l'idée d'amener les clans mercenaires serait pas dégueu non plus. Je viens d'avoir ça comme idée là. Ça pourrait franchement être pas mal. Peuple de la forêt, confrérie des bois. Ouais. On va essayer de choper leurs mercenaires. Bethero. Alors. Il a pas assez de troupes, le salaud. Pas assez de troupes, le monsieur. Bon, tant pis. Et l'autre clan, il y a moyen d'y avoir accès comme ça, là, en cliquant sur quelque chose. Voilà. Borabos. Est-ce que je peux l'appeler Borabos? Non, il a pas assez de troupes non plus. Mais quel enfer!
Quel enfer. J'essaie de recruter des clans qui n'ont aucune troupe. Ok. Ok. Mon armée, en tout cas, elle est prête. Est-ce que j'ai recruté assez de compagnons, moi ? Oui, c'est bon. Voilà, là, il faut être prêt, il faut être fort sur les appuis, là. Oh, mais les mercenaires, ça ira. Ils vont pas trop me poser problème, je pense. Ça devrait aller. Pitié. Ouais, ils ont aucune pitié, eux. Et eux non plus. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, ça. Quand je vais prendre des villes, ça va poser problème avec les mercenaires. Ouais, mais tant pis, ce sera déjà ça. C'est mieux ça que rien. Je vais tout miser sur un clan. J'en ai besoin que d'un, en vrai. Parce que je suis pas sûr d'avoir assez d'influence. Voilà, on va pas faire des tests, on va pas y aller à petits pas, puis je recharge la game et tout. Je mise mes 700 d'influence sur le fait que je veux que ce clan me rejoigne. C'est tout. J'essaye pas d'en faire rejoindre d'autres ou quoi. Et une fois que j'ai déclaré mon indépendance et que je suis en guerre, c'est à ce moment-là que je parle aux mercenaires pour qu'ils me rejoignent. Parce que je peux proposer à des mercenaires ennemis de me rejoindre, dans l'idée. Si je suis convaincant. Avec des sous dans ma bourse. J'ai un serpent dans ma botte. Genre, il y a des sous dans la bourse. Bon, les clans, là, ils me saoulent. Vous allez recruter des troupes ou comment ça se passe? Ils sont pauvres, ils ont aucune thune, comment ça se passe? C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire de fou? Attends, qu'une journée passe, hein. Après, ils sont à plus de 4 jours, les mercenaires. Mais je m'en fous. J'attends qu'ils viennent. Je fais ma réunion. Ma réunion des traîtres anonymes. Alors, attendez, je sais plus. Oh, bordel. Mais toujours pas, hein. Il a 60 troupes, il est pas à 40%, bordel. Voilà, là, des petits rebelles, c'est bien ça, c'est bien, c'est top ça. Y'a moyen de faire déclarer une guerre ou pas? Y'a peut-être moyen. Tu vas briser le lore, comment ça je vais briser le lore? Quel lore? De quoi tu parles? T'avais pas eu un problème avec les mercenaires pendant ta campagne avec Viggo ou Adrian? Ah, y'a toujours des problèmes avec les mercenaires, mais aussi ils ont sauvé mon cul. Ils ont bien plus sauvé mon cul qu'ils m'ont posé de problème, les mercenaires. Les mercenaires, ils permettent d'avoir assez de troupes et de tenir la ligne de front le temps que tu construis des clans derrière et que t'en recrutes d'autres. Bon alors, elles se remplissent ces armées là? 73, je vais devenir fou. Faut encore attendre. Le lord de Mountain Blade, les Khajiits deviennent les dirigeants par la suite. Oui, mais fuck le lord. Fuck le lord, hein. Très clairement. Je vais devenir fou. Pourquoi je peux pas les appeler? Pourquoi ils arrivent pas à choper assez de troupes? C'est un truc de fou. Va pas falloir que j'aille leur courir après pour... Oh, je suis sur le cul, là. Ma technique avec les mercenaires va pas marcher. J'arrive pas à les faire venir.
L'histoire... L'histoire ne se souvient que des vainqueurs. D'accord. Après, il n'y a pas que comme mercenaire. Oui, mais c'est les seuls que je peux amener à moi. Les autres mercenaires, je peux pas les amener à moi. Il faut que je leur cours après. Et ça, c'est un enfer. Donc, tant pis. On fait ce qu'il faut. Après, je suis en train de faire la connerie, là. Ils sont en train de regagner de l'influence, tous, là. Oh là là, le con. Oh, le con, ils sont en train de tous regagner de l'influence. Non, ça va pas, ça. Bon. Ah, on est bon, là, non? Ah. Bon, et lui, lui, nique, c'est bon. On attend que lui se ramène. Et let's go. T'as des groupes de pillards gigantesques. Oui, bon... c'est pas le but, là. On est en mode Palpatine, là. Palpatine qui compare le prix pillard. Toujours pas. Bon, tant pis, on attend. Hein. On attend que l'armée arrive. Au moins un clan mercenaire, ça serait bien. Il arrive dans 2 jours. 2 jours ? Oh putain, c'est long. J'en ai marre. Il recrute pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas de bouffe. Je suis pas sûr. Hein. Je sais pas. Non, la bouffe, elle remonte, hein. Au fur et à mesure, là. À vouloir les mercenaires, tu vas tout perdre. Non, mais parce qu'ils vont forcément former des armées à un moment ou à un autre, donc... Le roi pourra former une armée dès le début, donc... Peu importe, en fait. Qu'ils aient beaucoup d'influence au début ou non, ça m'aurait un petit peu aidé, mais sans plus. Le fait d'avoir des mercenaires dans mon armée... est bien plus intéressant que le fait d'avoir vidé les stocks d'influence des autres clans. Même si j'aimerais bien avoir les deux, quoi. Y a pas moyen. Ils ne recrutent pas de troupes. Si elle a été prise. Qu'est-ce qu'on va commencer ? Alors qu'est-ce qu'ils nous font les... Oh la vache, les Bataniens sont en train de tout brûler à l'ouest. Oh la vache. Non, je vais pas intervenir là. Val de Prune, arrête de pousser. Ça vient à point nommé quand il faut. Je vais pas pousser le truc. C'est déjà fait, Malik. Le fait de faire voter toutes les lois qui désavantagent le royaume. Allez, j'y crois. Putain. Y a pas moyen. Une journée, une heure. Allez, on va le faire comme ça. Terminé. Ah, attendez, y a un contrat de mercenaires qui a été signé. Avec qui? J'ai pas lu. Qui sont les mercenaires qui ont été embauchés? Peuple de la forêt. Eux. Bah eux, ils vont être tout frais, tout flamme, là. C'est bon, je peux les appeler. En plus, c'est les Azeraï, ça fera un minimum RP. Merde. C'était qui le dirigeant du clan de ça? Lath. Mais aucun des mercenaires, c'est faux, aucun des mercenaires n'est prêt à rejoindre. Ils sont là, mais ils sont pas là. Je vais devenir fou. Ils ont tous pas assez de troupes, ou ils sont emprisonnés, ou... Même ceux qui viennent de rejoindre, c'est fou. Bon, ça y est, il y a l'autre qui est arrivé. Bon, allez. On va faire comme ça.
C'est parti. C'est maintenant. Je vais me foutre dans la merde. Execute Order 66. C'est maintenant. Le moment de toute une campagne. Le moment de la liberté. De la fraternité. Va te faire niquer. C'est dans quoi ça? Je sais plus. Bon bref. On y va. On tente de faire expulser le clan. Ah ouais non mais ils vont tous voter contre. Non mais c'est de la merde. C'est de la merde mon truc, c'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde mon idée, c'est de la merde. Oh là là. Oui mais c'était ça. C'était ça le principal problème. Aïe aïe aïe. Il faut qu'on vote des lois que les gens veulent pas. On vote les lois, on vote les lois. Ça va le faire, ça va le faire. Allez, une loi que les gens veulent pas là. Voilà. Paf. Tout le monde vote contre. Tout le monde s'en fout, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Oh le con. Oh non mais j'ai trop fait de la merde là. Allez, j'ai encore deux essais. Non mais le roi qui veut les garder absolument là, ça suffit. Il t'aime pas. Tu les prends pour tes amis mais il t'aime pas. Oh, c'est le dernier essai. C'est le dernier essai, après c'est perdu. C'est perdu. Oh, bon, j'attends de gagner un petit peu plus d'influence et je retente une dernière fois. Ça marche pas, c'est dommage. Hein. Bah attendez, il y a quand même quelque chose à faire là, bordel. J'attends un jour. Est-ce qu'elle va me donner assez d'influence? Pas du tout, ça va pas me donner assez. Je vais essayer de courir après des bandits. Où sont les bandits? On a vu qu'il y avait plein de bandits. Gagner un peu d'influence. Les bandits! Ah, ils sont trop rapides ceux-là, c'est mort. Je trouve pas les bandits. Oh l'armée, elle est chez moi. C'est pas le moment. Oh ça va être dur, combattant. Oh, c'était pas le bon moment, je savais, il fallait que j'attende plus. Tant pis, c'est maintenant et je me démerde avec. J'ai dit quelque chose. Maintenant il faut que j'approuve, il faut que j'assume. Ah, il continue à voter, c'est pas possible. Bon là j'ai claqué tout mon influence pour rien, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Tant pis. J'ai quand même utilisé mon influence pour virer les... pour dissoudre une armée quoi. Ah, elle est déjà dissous. Oh, c'est tellement loose. Allez, tant pis. On y va. Aïe, aïe, aïe. Je fais partir. Je dissous maintenant. Oh, je vais me foutre dans une merde, ça va être terrible. Ça va être absolument terrible ce qui va se passer. Vous êtes prêts? C'est maintenant la baise. C'est maintenant. Non mais c'est pour le spectacle. Si je voulais jouer safe, j'aurais attendu plus. Mais on est là pour le spectacle, fuck. On y va. J'ai peur de ça, j'ai peur de la décision. Non. Ah je doute, ça y est. Non, il n'y a aucun doute. Comment ça quitter le royaume? Je peux pas, pourquoi? Parce que je suis en train de diriger une armée. Très bien.
Si je dirige une armée, mais qu'on se posait que de mes troupes à moi. Oh, ça devrait aller. Ça marche, ça, de quitter le royaume? Non, ça marche pas. Alors là. Ordre 66. La corne. Là, c'est pas la corne, là, c'est le plan de bataille. Là, on n'est pas sur une charge, là, on est sur un plan de bataille. On est sur le stress, là. Quitter le royaume. Garder toutes les possessions. Focus. Focus. J'ai mis clic. J'ai mis clic. Bon, tant pis. Gardez toutes les possessions. Confirmé. Je vais voir instantanément. Mon gouverneur. Gouverneur! Où es-tu? Il est là. Pour l'indépendance! Merci Jean Mungandre. C'est pas elle. C'est pas elle. Il est où? Ouais. Il est où? Je vais devenir fou. Mais non! Mais non! Mais non! Mon gouverneur, il est à Vostrom! Ah! Contre Kems. Contre Kems. Putain de merde, hein, ils sont en train de se barrer là. Il est temps de faire un grand pas en avant. Il est temps de proclamer un nouveau royaume. Je suis à vos ordres. La langue et les lois de... Des Kouzaïtes. Hein? Comment on dit? C'est pas le royaume? Le Khan? Le... La Horde? La Horde! Allez, on devient World of Warcraft. Bref. La langue et les lois des Kouzaïtes. Très bien. Droit de pâturage et majesté sacrée. Très bien. Je l'appellerai... Ah oui, parce que le royaume, c'est pas Tsunami. Alors? On l'appelle comment? La Horde d'Or, nous dit-on dans le chat? Vous avez des idées? La vague, hein? La vague? Non? Le Khanat de loi sacrée. Ah, vous m'avez dit Khanat? Je suis votre conseil, le Khanat. Alors Khanat des... Khanat de la vague. C'est nul. Le Khanat de la vague. La vague Khanat. Le Khanat vague. Le Khanat de loi sacrée. Faut faire un rapport avec Tengri et notre bannière. Hein. Khanat des canards. Le royaume de loi fracassante.
Non, c'est pas mal ça, non? La vague de loi sacrée. Il faut que ce soit un nom de nation, quoi. Canate. Merde. Ça marche pas, loi, loi, je peux pas l'écrire comme il faut. Alors là, le canat. Je sais pas. De loi sacrée. Du signe. Ouais, mais c'est pas un signe, c'est une oie. C'est une oie. Canat de pêche. Canat de pêche. Le problème, c'est l'écriture de loi, quoi. Loi. Loi, on l'écrit comment? Avec un espace comme ça? Canat loi. Le canat de loi fracassante. Le canat de loi fracassante. Allez, ça va être ça. Hein. C'est dégueulasse. Voilà, on a fait fort les combattants. La Horde d'or. Mais non, mais la Horde d'or, c'est... La Horde d'or, c'est stylé. La Horde d'or, y'a rien à voir avec le lore, voyons. Voilà. Loyal. Loi plus loyal. Loyal. C'est marrant, ça. Loi sur ton chemin. Allez. Canade de loi fracassante. Allez, c'est bon, c'est bon. C'est parti. Le canade de loi fracassante va bientôt dominer Calradia. Execute Order 66. Ainsi soit-il. Maintenant, j'appelle tout ça. Je fais partir. Je me démerde pour leur courir après. Parce que là, 5, 4.2. Ouah, je vais pas avoir la vitesse. Courez leur après, de grâce. Chopez-le. Chopez-le. Non mais... Ah, oh, le mercenaire qui se barre, ça me saoule ça. Non. Non, il a pas le droit. Il a pas le droit. Chopez-le. C'est la merde. Tant pis, le mercenaire. Oh putain, il rentre dans le château. Tout va être pillé, tout va être brûlé, ça va être terrible. Je prends le château instant là. Avec mes 600 troupes, je prends le château d'assaut et je l'emprisonne et... Mais non, comme ça là, hop. Approcher de la garde, demander à rencontrer quelqu'un, hop, voilà. Salut frérot. Oui. J'ai une proposition pour toi. Il veut pas. Il veut pas. Il me considère comme l'ennemi. Il veut pas. Pourquoi il veut pas? C'est plus possible. Ça a jamais été possible de dire à des mercenaires ennemis de nous rejoindre. peut-être que j'ai dream, peut-être que j'ai rêvé. C'est possible. C'est possible, c'est possible. On est tellement encerclés. C'est la merde. L'Empire t'a déjà déclaré la guerre, voilà. Et ben c'est maintenant. C'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. Faut faire la paix avec les Kouzaïtes. Faut faire la paix plus vite avec les Kouzaïtes, faut farmer un peu d'influence. Il me faut de l'influence. Au plus vite,
Et c'est maintenant que nos réserves de thunas vont servir. Ouais, avant qu'ils commencent à tout me piller et tout. Ah ouais, là, il faut absolument que je fasse la paix avec eux. Vite, vite! Ça va me coûter 5000 par jour, c'est énorme. C'est deux fois mon income journalier. Oh là, Vostrom est en flamme! Tous les villages de Vostrom sont en... Lâche ton armée, comment ça lâche ton armée? Jamais! Hors de question que mes groupes se fassent tuer tout seuls. Il propose de vous verser un tri... que vous versiez un tribut de 3000. Change de la paix. Mais avant le la paix avec l'Empire était de 4000, c'est 400 je crois. Ah, je fais la paix avec l'Empire et je tabasse les Kouzaïtes. Jamais, 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 c'est trop dur. C'est mort, non, faut faire la paix avec les Kouzaïtes. Je peux aller gratter des châteaux et des villes impériales. Je peux pas me battre contre les Kouzaïtes là. Tous mes plans palpatinesques sont tombés à l'eau. Pas de mercenaires, pas de clan qui me rejoint. Tout a été flingué. Bonne soirée à tous, des bisous à ceux qui s'en vont. T'as rendu les Kouzaïtes tellement forts que ça va être dur, oui. Mais c'est pas un problème. Ça va être dur au bro. Voilà. Ce n'est que passager. Ce n'est que passager. Voilà. Voilà, comme le dit Julien. Tout va bien. Tout va bien. Touchez pas à mes villages. Oh, barrez-vous. Mais du coup, ils peuvent pas faire d'armée, mais ça, ils peuvent piller. Hein. Y a pas de problème, ça. Oh là 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 là, y a moyen. Vas-y. Non, attaque où il faut. Mais qu'est-ce qu'il fait? Imbécile! Oh là là, il me dégoûte. Y'a pas moyen d'aller les chercher. Ça y est, j'ai 50 d'influence. Bon, la paix a été faite. Pour combien de temps? C'est la grande question. Et ça va me coûter très cher. Oui, tu changes pas de couleur en bleu. Bien sûr, pardon. Bien vu. Erreur, grosse erreur là. Paf! Hein? Mais non. Fallait que je change ma bannière avant? Sous ma gueule? Ah, moi je reload. Bah non, mais je vais pas garder une bannière comme ça, c'est dégueulasse. Ah, mais sinon il faudrait que j'installe un mod et que je copie-colle une bannière que je ferai sur un logiciel et tout. Oh là là, ça me gave. Oh, c'est chiant ça, c'est chiant, on se fait chier là. Avant de créer le royaume, oui, sinon c'est trop tard. Oh, c'est de la merde ça. Reload, bah ouais, mais ça me fait reload loin là. Ouais, le banner pass marche plus, je sais, ouais. Mais si, faut rajouter un mode pour qu'il marche. Sauf si même le mode ne marche plus. Bon, attendez, je reload. Pour voir où est-ce que ça nous ramène. Oh, je suis déçu. J'étais censé tester en 1.7.2. Ah, donc c'est sûr qu'on a aucune chance, de même avec un mode, de pouvoir changer la bannière. Ok.
Bon, eh bien... Eh ben, on va tout recommencer, c'est pas grave. Tant pis. Hein. Nouvelle chance, j'ai envie de dire. Bon, du coup, j'avais fait quoi? J'avais fait ça, là. Full dégueulasse. J'ai utilisé toute mon influence là-dedans. Quel enfer. J'ai laissé tomber en tout cas. Ah mais je veux bien te croire que là, ça marche pas. Ah oh là, quel dommage. Voilà. Ok, donc ça c'est fait. Ensuite, une fois que j'avais plus d'influence du tout. J'ai attendu... Que cette armée se dissolve. Allez, dissous-toi. Bon, sinon j'utilise mon influence pour la dissoudre, voilà. Terminé. Voilà. Ensuite. Dissous l'armée. Hop. Et là. Quitter le royaume. Gardez toutes les positions. Bim. Là. Ma bannière. Non, pas mon torse. Mon torse viril. La bannière, j'ai dit. Je peux pas inverser. Ah, voilà. Voilà, toutes mes relations qui s'éclatent avec tout le monde. Et voilà. On est de retour avec notre bannière. Elle est là, enfin. Me dit, fais la bannière maintenant. Oui, non, mais j'ai géré l'autre pour ça quand même. Un minimum. Bon. Mieux, très mieux, bien mieux. Est-ce qu'on veut faire des ultimes changements dessus, peut-être? L'adapter un tout petit peu? Non. On est très bien comme ça. Hop. Ah, ça fait plaisir de retrouver la bannière du début. La bannière des beaux jours. Maintenant que j'ai ça. Je crée mon royaume. Hop, je change le gouverneur. Quoique. Il était pas dans la taverne? Si, il est là. Je comprends rien. Parler. Tac. Il est temps de créer notre royaume. L'indépendance. Oh, quelle petite bannière sympathique. Oh non, mais elle me plaît. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vue. Je l'appellerai... Canat de loi fracassante. Attaché ou pas, loi? On attache ou pas? On attache ou on laisse un espace? Je peux pas mettre de d'apostrophe. Oui. Attaché? Oui. Non. Allez, je dirais attaché, moi. Attaché. Ainsi soit-il. Bam. Et maintenant... Bon, on a le droit à une deuxième chance, du coup. Hein. Je veux pas les laisser partir comme ça. Allez, hop, je les chope. Hein. Bon, elle, déjà, elle veut pas me rejoindre, c'est sûr. Et c'est parti pour le premier combat. Let's go. C'est parti. Premier combat de la grande nation. Let's go. Alors, fais voir à quoi elle ressemble l'entièreté de mon armée.
Ah, c'est... La fille a eu cette armée. Surtout des pecnos, quoi. C'est pas terrible, non. C'est pas glorieux tout ça. C'est pas grave. Ça deviendra l'armée la plus puissante de Caladia. J'en suis convaincu. Alors il faut inverser les deux, là. Hop. Elle, je la mets sur les chevaux et elle, je la mets à pied. Parfait. Et bon, on est parti. Hop. Au combat. Ah, l'armée est belle. En bleu comme ça, un bleu bien sombre. Et pas le bleu dégueulasse des Kouzaïtes. Oh, quel plaisir. Bon. C'est une armée faite de briques et de broc, par contre. Elle ressemble vraiment à rien. C'est pas grave. Peu importe la gueule de l'armée, ce n'est pas ça l'important. C'est pourquoi elle se bat. Pour mes intérêts personnels. Et il n'y a rien de plus beau. Mes alliés d'hier, mes ennemis d'aujourd'hui, tuez-les. Hein? J'ai rien vu. Vous avez vu quelque chose, vous? Oh, j'ai rien vu, moi. J'ai rien vu. Je me suis fait one shot. Je me suis fait one shot par quoi? J'ai pas vu par quoi je me suis fait one shot. La campagne est terminée. Et ben voilà. Tengri, il va avoir chopé sa cicatrice maintenant là. C'est sur cette bataille, sur cette première bataille où il est allé tout seul face à l'ennemi, qu'il a pris une grosse tatane dans la gueule et qu'il aura chopé une cicatrice. Je dirais par un glaive de ses morts. C'est fortement probable que ce soit ça. Par contre, là on arrive à un moment où ça va être difficile de faire la différence entre la gueule de l'armée ennemie et la gueule de mon armée. Parce que néanmoins, les couleurs sont assez proches. Et potentiellement, il va falloir que je passe sur de... un affichage avec les bannières, quoi. Ouais, les gars, arrêtez de faire n'importe quoi, vous déconnez ou quoi là? Mais arrêtez, vous déconnez, bordel! Mais comment ça, halt? Oh, j'ai mes raccourcis qui marchent pas. Fucking raccourcis qui marchent pas. J'ai un nombre de morts. Oh putain, les Kouzaïtes, ils se défendent bien. Tiens. Ça fait tellement longtemps que je me bats avec eux. J'ai l'impression de frapper mes propres troupes et puis je les tue. C'est terrible. C'est la guerre civile. C'est la guerre civile. Allez, on les encercle. On y va. Ça suffit, on a eu bien trop de pertes aujourd'hui. Pas un mort de plus. Chargez. Chargez. Bon, quelques morts de plus, pas trop. Pas trop de morts de plus. En tout cas, je suis bien content du look de mon armée. Hein. Il y a un look bien sympathique. Bon.
C'était un no match. J'ai perdu 17 hommes, ça va, je m'attendais à plus. Quand je voyais la gueule de la bataille et à quel point j'avais du mal à gérer mes troupes, je me suis dit que j'allais perdre plus que ça. Le patch 1.7.2 a mis un gros coup de fouet aux persévérances, non? Un gros coup de fouet, tu veux dire que c'est mieux qu'avant? Je sais pas. Je vois pas trop la différence avec avant. Vous êtes ma prisonnière maintenant, vous êtes mon prisonnier, parfait. Parfait. Oh là là, non mais quel look, Tengri. Oh, j'adore. Plus on a les bas de l'ancienne nation. J'aime bien, il y a un mix. Il y a un mix agréable. Oui, c'est mieux apparemment. Ouais, bah j'ai pas trop vu de différence, hein. Je t'avoue. Sauf au début des sièges. Ça lag moins parce qu'il y a moins d'ordres donnés en même temps par Alia. Mais à part ça, franchement, j'ai pas vu grand chose. Je dépasse ma limite de troupes. Très bien. Gérer la ville. Non, donjon, on va mettre les troupes que j'ai en trop. Là-dedans. Allez, encore un. Paf. Voilà. Maintenant, on va les mettre aux oubliettes, ces messieurs-dames. Au geôle. Et on va discuter, vous, entre vous et moi. Paf. Bon, et du coup, c'est sur cette bataille que Tengri s'est chopé la cicatrice de sa vie. Voilà, cicatrice, hop. Grand brûlé. Non, je sais pas. On pourrait limite partir sur une peinture de guerre. Hein. Plutôt qu'une une cicatrice. Une peinture de guerre pourrait être un délire. Hein. Pourrait y avoir un délire. Si on s'inspire un petit peu de... De ce monsieur là, non? Il a pas de peinture de guerre, lui. Ouais, pas de peinture de guerre, le Attila. Il a pas de peinture de guerre, notre Attila. T'as pas de peinture de guerre? C'est pas très bon de la bouche. Allez, ça sera cicatrice. Alors, est-ce qu'on a perdu un œil? Ou non? Est-ce qu'on a perdu un œil ou non? Dans le chat là. Paf, c'est parti. Sondage. Sondage, vous allez avoir une minute, hein, donc répondez vite. On a perdu un œil. Ou non, j'arrive plus à écrire, bordel. On a perdu un œil ou non? Oui. Non. Vous avez une minute, c'est parti, c'est maintenant, c'est le sondage, il est lancé, c'est bon. C'est tout en haut du chat. Est-ce qu'on a perdu un œil ou non? Parce qu'on part plutôt sur une cicatrice, voilà. Ça veut pas dire qu'on va pas avoir une cicatrice vénère, on peut avoir une cicatrice qui fait toute la gueule comme ça. Une cicatrice sur la bouche, machin. Ou est-ce qu'on part sur un œil en moins, quoi? Plus énervé. Oui, à 68% pour l'instant. Ah, le nom remonte. Allez-y, votez. Vous êtes nombreux sur ce live. Tout en haut du chat, vous avez la possibilité de voter pour savoir, ou pour donner votre avis sur le fait. Est-ce qu'on met un œil mort? Est-ce qu'on a perdu un œil pendant cette bataille ou non? Et pendant ce temps-là, je fais une petite manip. Ça me saoule, ça. Pourquoi ça me fait ça? Je vais devenir Fala. Hop. Comme ça. Voilà. Alors c'est le oui qui l'emporte à 61%. Très bien, combattant. Bon, alors on a perdu un œil. On a celui-là. Ou celui-là. On a l'œil plus la bouche. Ah non, il y a celui-là aussi. La grosse griffure, quoi. Pas mal aussi. Pas mal aussi. Ah non, mais il y en a plus que ça.
Il y a celle-là aussi. Oh, elle est pas mal, celle-là. Bon, c'est moi qui décide. Ça, je me disais, je vais vous faire faire un sondage, mais non. C'est moi qui décide de la cicatrice. Celle-là. Celle-là qui est très vénère. Celle-là. J'aurais aimé celle-là avec le truc en, sur la bouche en plus, mais elle n'existe pas. J'hésite entre celle-là et celle-là. Ah, celle-là, elle est plus profonde. On dirait. Elle représente plus le coup de glaive qu'on s'est pris dans la gueule, quoi. Je trouve que. Ça c'est un animal qui nous a fait perdre l'œil, du coup. Ça, c'est un chat qui nous a mis un coup de griffe et on a perdu l'œil, quoi. Là, c'est le coup de glaive qui nous a eu. Allez, hop. Ça sera ça. Ça y est, Tengri. Et maintenant, esquinté. Et avec cette cicatrice, fort de l'apprentissage dont il en tire, il va dans les geôles. Dans les oubliettes. J'ai l'œil qui me gratte, mon dieu, qui me gratte. Au secours! Au secours! Mais bon. Ah! Il a été un peu trop entreprenant avec une demoiselle du quartier chaud. Calmez-vous. Tu pourrais aller siéger Danustica ou le château près de la ville. Où tu es, non? À voir, on va voir. Lève-toi, Maro! J'ai décidé de vous libérer. J'ai une offre pour vous. Rejoignez-nous. Et retrouvez-vous. Et retrouvez votre liberté. C'est pas mal, ça. Rejoignez-nous et retrouvez votre liberté. Qu'êtes-vous en train de dire exactement? Je suis le souverain légitime de ces terres. J'ai besoin de votre soutien. Oh putain, il y a moyen de le... Oh putain. Bon, alors par contre... Ah oui, il m'aime pas du tout, hein. Oh là là. La chatte. Oh. Chatte. La chatte. C'est le destin. C'est le destin, ça y est. Il est avec nous. Et il me coûte à peine 6000 de tunas parce qu'il est pauvre. Si vous avez des problèmes dans votre entreprise, exploitez les pauvres et vous vous en sortirez mieux. Abonne-toi. Calmez-vous. Non, parce que c'est mercenaire. Oui, je sais, c'est parce que c'est mercenaire. Je sais. Mais c'est un mercenaire pauvre. Si c'était un mercenaire riche, ça serait pas la même prix. Eh oui. Et il y a l'autre qui est en train de tousser à l'autre bout de la salle. Hop là. A augmenté de 46. J'avais moins 46 avec lui. Et ça a augmenté maintenant. Kouzaït à Kanat de Loi Fracassante. Oh, si, c'est magnifique comme nom de faction, c'est magnifique. On n'aurait pas pu trouver mieux. Ça y est, je commence à l'adorer. Mon ami. Mais oui, je suis ton ami. J'ai décidé de vous libérer. J'aimerais discuter. J'ai une offre à vous faire. Rejoignez-nous et retrouvez votre liberté. Mon seigneur actuel me convient, bref, parfaitement. Ni votre bourse, ni notre relation ne pourront changer cela. C'est vrai? Ma bourse ne peut rien y faire? Quelle bouffe. Oh mon dieu, quelle bouffe. Ouais, il y avait une perche tendue. Une sœur de visage, c'est vrai. C'est vrai, elle est comme moi. C'est une Scar 2.0. Bon, tant pis, pour plus tard. Putain, elle est vraiment en PLS, la dame, hein. Alerte au beauf! Alerte au beauf, les enfants! Alerte au beauf! Oh, attendez! Attendez, je viens d'avoir une idée formidable! On va se mettre un objectif, chers combattants. Objectif. Soit lorsque j'aurai décapité le roi Kouzaït. Soit lorsque j'aurai conquis tous les territoires Kouzaït. Parce que si le roi Kouzaït meurt entre temps, bon bah tant pis. Je pourrais pas le décapiter, sauf si je vais dans la tombe. Mais bon, c'est pas terrible quoi. C'est dégueulasse en plus. Bon bref. Et du coup, s'il meurt avant que je puisse le tuer moi-même, il faut que je prenne tous les territoires. Et à ce moment-là, j'aurai alors
la couronne. Ça fait pas trop couronne Kouzaïte, hein, si ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça, ça fait un peu plus Attila. Mais c'est une couronne de bataille, les cons ! Ils l'ont mise... C'est censé être une couronne que tu portes en ville, et là, on peut pas la... Je pense que c'est un problème dans les fichiers du jeu, ça. On peut pas la mettre, on peut pas la mettre. Ah, qui flotte un peu. Ouais, flotte un peu. Hein. Sinon, je prends le truc de Romain, quoi. Ah, y a pas grand-chose qui va, hein. Ça marche pas trop. Ça correspond pas trop à la faction. Bon, bah, je sais pas. Je sais pas, si vous avez une idée de couvre-chef qui fera roi, vous me dites. Mais comme ça, j'ai pas. Voilà, à la limite, je peux partir là-dessus. Je peux partir là-dessus, mais... Mais ouais, non. J'ai pas du coup. 21h55. Hein ? Oui ? Trois petits points, qu'est-ce que ça veut dire ? Trois petits points, ça veut dire ça me fait chier. Et il y a 21h55 avant. Donc je comprends pas. J'ai appris que tous mes compagnons prenaient parfois des héros dans ces prisonniers et les vendaient aux premières villes où ils entrent. Depuis, je garde toujours leur inventaire de troupes pour les récupérer. Ah, bien vu, je savais pas ça. Bien vu, bien vu. Salut Rix. Bon ! Première ville défendue. Et la demoiselle, la gente dame, qui est dans nos geôles, elle a un prélat. Et cette ville-là, donc c'est sûr que je vais pas pouvoir la recruter avant des plombes. Tant pis. Tant pis, tant pis. OMG, t'es indépendant, bien sûr. Regarde le titre du live. Donc là, j'ai mes groupes sympathiques avec moi. Et là, il faudrait que je vote des lois. Là, les lois, on va y aller. Déjà, première chose, garde royale. Bim. Bim. Et donc ensuite, on recrute des troupes. Parce que j'ai plus 60 troupes dans mon armée. Plus 60 slots disponibles. Est-ce qu'on assiège ? Je sais pas. Je sais pas s'il faut assiéger. Je peux assiéger vite pour les attirer vers moi. Et ensuite faire une bataille. Allez, pute. Bon, diplomatie, on paye pour faire la paix. Vous n'avez pas assez d'influence. Putain, je viens de bousiller toute mon influence. Direct, ils déclarent la guerre. Direct. Direct, ils veulent une part du gâteau. Bon, du coup, je vais commencer à m'orienter sur eux. Je fais la paix dès que je peux avec les Kouzaïtes, en leur donnant un max de thunes. Je leur crache de l'argent à la gueule pour qu'ils me laissent tranquille. Hop là, aider les défenseurs. C'est pas mal ça, en plus. Dis-moi que t'es le chef de ton clan. Putain, on va pouvoir choper d'autres mercenaires. Aider des troupes. Paf. Comment ça, 14 morts ? Ah non, 14 morts chez eux, pardon. Ah, j'ai eu peur. Oui, je t'ai aidé, tu es mon ami maintenant. Paf, maintenant que tu es mon ami et que personne ne te recrute, personne ne t'emploie, viens, tu seras riche avec moi. Rejoins-moi, rejoins la richesse. J'aimerais discuter de quelque chose, je voudrais que vous suissiez, que vous serviez Tsunami comme mercenaire. Rejoignez-moi. Bim. Et là, on a deux clans mercenaires, et là, on est au top du top.
C'est incroyable. C'est juste incroyable. Il faut que je les fasse se battre. Hein. Tant pis, j'appelle tout le monde. Ah merde, merde, ça me coûte beaucoup d'influence. Ah merde, j'ai pas l'influence qu'il faut. Deux petites secondes, ça arrive. Ça arrive soon, hein. Very soon. Oh, encore des... Encore ! Bouge pas, bouge pas ! Dis-moi que t'es le chef. Oh dommage, c'est pas lui ! C'est pas lui, on aurait pu encore avoir des mercenaires ! Trois camps mercenaires, ça aurait été top. On s'en serait vraiment, vraiment, vraiment bien. Si tu leur donnes pas de fief, ils partiront. Alors c'est pas des fiefs que les mercenaires y prennent. Hein. Les fiefs, les mercenaires, ils prennent de l'argent. Et donc il faut que je leur donne de l'influence. Soit en faisant des batailles avec eux, soit en leur donnant de l'influence directement dans l'onglet de clan. Là, tu veux pas me rejoindre toi là ? C'est le chef du clan. C'est incroyable ça. Hop ! Comment ça 3200, c'est tout ? Elle coûte pas cher la guerre, enfin la paix contre les Kuzaïdes, ça fait plaisir. Allez hop. Premier gros problème réglé. Pour combien de temps ? Ça c'est la grande question. Maintenant, j'essaie d'aller choper ce clan. S'il y a moyen de choper le clan, c'est incroyable. Non, 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 mais partez pas, bande de cons. Oh, les cons. Oh, je dis sous l'armée. Je crois après. Viens là ! Viens là, te dis-je ! J'ai de la moula pour toi ! Ici, tu es le roi ! Ici, tu es chez toi ! J'ai besoin de citer de quelque chose. Je voudrais proposer une alliance entre nos familles. Par le bien d'un mariage. C'est de la merde. C'est de la merde. Il peut pas me rejoindre étant donné que c'est un clan rebelle. Il a pas tenu assez longtemps sa ville pour qu'un clan soit recrutable par une nation. Pour qu'un clan rebelle soit recrutable par une faction, je vais y arriver. Il faut que ce clan ait tenu la ville où ils se sont rebellés pendant 30 jours. Là, c'est simplement un rebelle déchu qui est hors de sa ville et donc il n'est pas recrutable. Il y a toujours marqué rebelle devant son clan. Rebelle de Tial, voilà. Donc ça marche pas. Oh, j'y vais. Je vais aider les copains. J'arrive les copains. Attendez-moi les copains. Non ? Bon bah non. Allez, j'appelle les deux groupes. C'est pour leur faire de l'influence. Hein. C'est essentiel. Et cours-lui après. Dis-moi que t'es plus rapide que lui. Cours ! Et non. Pas plus rapide que lui. Tant pis. On va aller assiéger ce château. Et ça ira très bien. On y va. Non, non, mais viens, viens, viens. Qu'est-ce que tu fais ? Il y va tout seul comme un fou. Ils viennent de loin les rebelles. Ah bah ils ont été renvoyés d'où ils venaient. Le problème c'est village, c'est mes villages qui se font piller. Parce que si toute mon économie commence à tomber à l'eau. On va peut-être... J'ai peut-être laissé des groupes faire leur vie. Oh là là. Oh là là. Ils se sont repliés, comment ça ? Comment ça c'est possible ? Vas-y chope-le, chope-le je te dis ! Fais ton job. Oh là là, bon. Quelle merde. Ah, il faut pas que je me déplace avec toute cette grande armée, là. De toute évidence, il va falloir que je laisse des groupes faire leur vie. Dis qu'on lui après, chope-le. Bien. C'est bon. T'as plus beaucoup de bouffe. Ah, merde. Merde. Je vais pas racheter, c'est vrai. Sympathique cette map là, très verdoyante. C'est joli. C'est joli. Ah putain, bravo, après des mois d'absence, tu m'as donné envie de rejouer au jeu. Et bah, un plaisir, Jean-Luc Trollman. Merci d'être là.
Un plaisir de t'avoir ici. Oh, Jean-Luc Trollman, hein. Un des premiers... des premiers viewers de cette chaîne. C'est beau. Nickel. Alors. Ensuite. On va clairement les calmer. Ah, c'est dommage parce que Tengri il doit viser de son œil qui est mort. Il a un œil crevé. Et bah, c'est cet œil qui vise dans le jeu. J'aurais peut-être dû, pour le RP, prendre l'œil qui était mal en point de l'autre côté pour le coup. Chargez. On y va. Elle est super jolie cette map, je trouve. Elle est super verdoyante. C'est presque une atmosphère de jungle, j'ai l'impression. Avec les arbres tout verts et tout là. Ils sont verts de loin, mais c'est... Je vais peut-être un peu loin quand je dis jungle, mais... C'est lourd. J'aime bien, ça change. Un mort, quelle vie. Dommage. Bon sang, les glaives sont bien plus OP que dans Warband. Ah oui, non mais c'est... J'ai l'arme OP par excellence, là. Hop, rejoins-moi. Prisonnier, hein. Bien sûr. Alors, le seigneur que j'ai chopé, là, qu'est-ce que... La noble que j'ai chopé. Qui es-tu? Qui es-tu ou te caches-tu? Attends. Ok, c'est pas la chef du clan, donc on s'en fout. Oh, puis je recrute tout ce que je peux, là, On n'en est plus au point où on essaye de faire une armée à peu près équilibrée. Clairement pas. Le village a complètement été pillé, là. Non, il a été sauvé de justesse. On va acheter de la bouffe. Oh, t'es mort. T'es mort. Mais qu'est-ce que... C'est n'importe quoi. Ok. Hop là, suivant. Je ne veux aucun mort dans mon armée. On fait les batailles. On fait les batailles. Le manger. Oui, c'est bon, j'ai acheté un peu. Ça arrive. On n'est pas en famine, là. Calmez-vous. J'irai dans la ville d'à côté et puis je vais acheter. Après, j'ai pas trop envie de vider les stocks de la ville non plus. Donc, je vais plutôt passer par les villages. Dans l'idée. Dans les villages. Oh toi! T'es mort! Ouf. Mais qu'est-ce que c'est? Non mais j'ai un filtre ou quoi? Ou c'est juste que je me suis jamais battu dans ces... sur ces maps-là? Je pense que je me suis jamais battu sur ces maps-là. Il y a genre un... Une couleur, c'est hyper verdoyant, je trouve. Capitaine Fréquin, quand tu laisses un homme partir, c'est plus 10 de relation avec le clan. Enfin, je crois. C'est à peu près ça. Je me demande même si c'est pas plus. Et laissez-moi tranquille, il m'emmerde là. Oh toi, t'es mort. Viens là, je te dis. Viens. Oh putain, je fais que frapper dans le vent, il m'amène dans le piège. Il m'amène dans le piège. Voilà, tiens. Tiens. Viens là, toi. Tiens. Tu vas t'en aller.
On serre dans ta gueule. On va leur lancer des javelots, ça va les calmer. On va les tuer à distance. C'est fou ça, j'ai des mecs qui sont vraiment la tête dans l'eau. C'est bien ça, les maps où on a vraiment un gameplay où t'es ralenti à mort et tu... Vraiment, quand tu vas dans l'eau, quoi. C'est cool, ça. Il n'y en a pas beaucoup des maps comme ça. Hein. Pilonné. On ne prend même pas le temps de vous tuer au corps à corps. Oh, les impacts de flèches, par contre, dans le sol. C'est n'importe quoi. On se croirait sur les plages de Normandie. Sortez les MG42. Oui, Tengri à l'habitude des déserts des steppes, ça change. Ouais, mais même genre même sans parler de l'aventure de Tengri et tout, j'ai vraiment l'impression de n'avoir jamais vu ces maps. C'est sûrement le cas. C'est cool quand même, hein. Quand tu te bats dans l'Empire du Sud, c'est différent. Le gameplay est vraiment différent en fonction des maps que dans l'Empire de l'Ouest ou l'Empire du Nord. Méridional, septentrional, occidental, si vous préférez. Tout ça, ça fait plaisir. Bien sûr que je t'ai sauvé. Un plaisir. Bon, ça, je prends pas par contre. Les troupes de merde, ça va. Ça va deux secondes. Heureusement que t'as pas à payer les carquois de flèches. Ah, c'est sûr que je jouerais différemment si on devait payer le nombre de flèches qu'on utilise pendant une bataille. Bon, j'ai vidé les stocks de bouffe ici. Allez, on va à Vostrom, on va s'acheter de la bouffe. Les stocks de nourriture devraient être assez... Ah putain non, ils se sont flingués les stocks de nourriture. J'achète rien du tout. J'achète rien du tout ici. Ah la vache. Ah c'est bien. C'est bien les gars, c'est bien. Ok. Et du coup les clans là, est-ce qu'ils ont... Bah déjà j'ai perdu un clan mercenaire. Déjà j'en ai un en moins. Mais il y en a un, c'est bien, il a d'influence à mon avis. Ça va faire que je vais pouvoir le garder longtemps. C'est lui le salaud qui m'a abandonné, non? Et non, c'est pas le bon. Mais c'est ce clan-là qui m'a abandonné. C'est le prix. Bon, mes villages qui se font piller, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. À part laisser des groupes faire leur vie, quoi, mais... Ouah, Poros, une ville qu'on n'a pas du tout envie de prendre. Ouah, elle coûte cher les villes. Ah, elles ont beaucoup de défenseurs. Allez, on va prendre ce château, ce sera déjà ça. On y va. Super Raven, je trouve les deux dernières formes des fils nobles Kuzaït, le rang 5, un meilleur arc que celui du rang 6. Capitaine Fracas STP. J'ai rien compris, Super Raven. Coucou, bienvenue sur le live, mais j'ai rien compris vraiment. Je sais pas si c'est moi, mais. Abandonnez vos postes! Courez! Courez pour les recruter! Non mais non, mais non. Oh, tant pis. Tant pis, fuck l'influence. Et hors de question qu'il se barre. Non mais reviens. Voilà. Bon, j'avais peut-être pas besoin de dissoudre mon armée du coup. J'aimerais discuter de quelque chose. J'aimerais que tu serves comme mercenaire. Vous n'avez pas l'air digne de confiance. Effectivement, il me déteste. Donc là, je viens de dissoudre mon armée et de perdre de l'influence pour rien. Je suis content. Bon, alors lui. J'y arrive pas. Big Xrudy, merci beaucoup pour le Prime. Quatrième mois d'abonnement quand même. Merci beaucoup. Merci pour le soutien, ça fait plaisir.
Merci énormément. Bon allez, quoi qu'il arrive, on prend la ville, le château d'assaut là. Donnez-moi un bélier et terminé. Je sais pas pourquoi j'ai accepté, j'aurais pas dû. Le Khanat de l'Oie fracassante va mener son assaut. Ah, ils ont une catapulte. Ouais, ils vont pas réussir à détruire mon bélier avec ça. Si, non, si, non, 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 non. Oh, top ! On arrête tout. Vladefer Sparta ! Merci beaucoup pour le Prime, toi aussi. Merci pour vos Primes, ça fait extrêmement plaisir. Ça soutient la chaîne. Et si vous avez déjà un abonnement sur Amazon Prime, ça ne vous coûte rien en plus. Donc, merci de le claquer ici. Hein, j'aurais pu le faire chez un autre streamer. Merci de le faire ici, ça fait plaisir. Merci. Faut que tu fasses passer de nouvelles noix, non ? C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, bien vu. Fait N, accueil, troupe, culture. Kouzaït, clique sur fils de noble. Fils noble Kouzaït. Non. Je suis en train de faire un truc là. Sorry. Sorry, mais là on est en pleine guerre. Si tu veux regarder un arc ou quoi, fais-le, super. Désolé, hein, mais. On est pas loin de la fin du live, là, j'essaie d'avancer un peu. Sorry. J'aime bien cette armée toute bleue là, elle me plaît beaucoup. Auto-déploiement, paf. Ça ne marche pas du tout. Alors, pas du tout. Si, ça a marché. Non, ça marche pas du tout. Bon, tant pis. Allez hop, répartissez-vous. On y va, les gars. C'est parti. En mode cinématique. Mais c'est mon jeu qui a une. Non, mais là, c'est mon jeu qui a une texture différente. C'est pas possible, c'est pas la même map. D'habitude, c'est pas aussi verdoyant que ça. C'est moi qui ai c'est moi qui ai pas habitué à me battre dans les steppes. J'ai activé un filtre. Qu'est-ce qui se passe? Je suis habitué à me battre que dans les steppes et dans le désert, c'est ça? Dès que je vois du vert maintenant, ça c'est flashy. Après, c'est vrai que j'ai changé mes paramètres graphiques et que j'ai tout reset de base et que j'ai mis tout à fond. Donc peut-être que c'est ça qui change. Peut-être que c'est simplement que le même château, en fonction de là où il est positionné sur la map, ça change la couleur de l'herbe et tout. C'est parce que t'as plus qu'un œil, voilà, ça doit être ça. Bien vu, c'est sûrement ça. Je n'avais pas toutes les informations en ma possession. Enfin, je les avais, mais je les avais pas reliées, bravo. Non, c'est les châteaux impériaux du sud. J'ai envie de passer à l'assaut direct. Allez hop, on va à l'assaut direct. Tengrimen l'assaut, oh putain. Le mec dans la fenêtre là. J'y vais. Non, j'y vais pas. Arrêtez aux conneries. Arrêtez de me pousser. Arrêtez-le. Vous ne m'aurez pas comme ça. Pas si facilement. Ninja. Oh putain. Tiens, je vais briser la tête en deux lui. Anneau dans la tour. Je monte. Trop loin. Parade. Non. J'ai plus de vie, faut pas que je meure. C'est bon, la tour a été nettoyée.
C'est bien, ils ont une armée vraiment de troupes légères. Oh le bâtard. Bon, qu'est-ce que tu prends? Est-ce que tu te prends? Hein? Ah non, c'est mur invisible. C'est mur invisible, non! C'est honteux! C'est honteux! Merde, j'arrive pas à remettre. Putain, je vais y arriver. Allez, hé! L'armure. Pète sa mère, l'armure, hein! J'ai beau me faire one shot parce que le casque il est pas terrible en termes de statistiques. Magnifique. Le perso est monstrueux là, je trouve. Du moins comparé à ce qu'on avait avant. J'ai vu Jean-Jacques. Sont où les autres? À la porte, bon Dieu, à la porte! Dépêchez-vous! Oh putain. Ah, j'ai raté. Il s'enfuit, il fait quoi lui? Si, il s'enfuit. Oh tant pis. J'arrive au combat, j'arrive! Y'a d'autres qui veulent passer? Vous ne passez! Bon, y'a que des potes maintenant. Vous pouvez passer! Tuez-les tous! Je tiens à dire. Que. J'ai réussi à survivre en étant sur le mur et entouré d'ennemis qui me frappaient. Sans bouclier. Petit exploit. Dans ma connerie, il y a eu un petit exploit. Voilà, 36 d'influence. Là, on se met bien. Parfait. Oh là là, je prends tout. Peu importe le type de troupe, on s'en fout. On est un peu en galère, tant pis. Je prends tout ce que je peux. French Monster. Je suis pas sûr de ça. Faire preuve de pitié, hein, peu importe. C'est un intérêt. Relation avec le propriétaire de la colonie. Loyauté du château. De machin. Mais la loyauté, on s'en fout d'un château. Un château ne peut pas se rebeller. On est d'accord, hein. On a déjà fait ce constat lors des derniers lives, il me semble. J'ai jamais vérifié, mais un château ne se rebelle pas. Non, c'est sûr que non. Donc on s'en fout de la loyauté d'un château. Total de niveau de bâtiment perdu, 3. Ah ça, j'en ai rien à péter. Alors du coup, ça ne m'intéresse pas du tout. Bon. Eh bah très bien. Ça, c'est cool. C'est fait. On va clairement augmenter les... Enfin... Dans les autres châteaux, j'ai dit que je voulais pas recruter de troupes. Mais dans celui-là, on laisse bien tout à fond, hein, très clairement. Vostrom, bon. Potentiellement, on va peut-être arriver à la famine à un moment. Il va falloir trouver un moyen d'aller acheter beaucoup de nourriture. Et de s'occuper des mecs. Ça va être la guerre, là? Ils veulent venir me chercher ou pas? Venez là, venez me chercher si vous êtes... Si vous êtes des vrais, venez! Qu'est-ce que je fais? Je continue l'assaut, là? Pas évident. Pas évident, d'autant plus que si je m'étends plus par là, mon royaume va vraiment être éclaté dans tous les sens. Faudrait peut-être plutôt s'orienter vers Onirin. Ouais, c'est ce qu'il faut faire. Combien de défenseurs là-dedans? 600. C'est le nombre de troupes que j'ai dans toute mon armée. C'est mon armée au complet. On libère personne ici, on libère personne. Écoutez, là on a 285 d'influence, on va clairement voter des lois qui m'intéressent. Les clans de niveau 5 et plus perdent 1 d'influence par jour et la taille de groupe de leur chef est augmentée de 40.
Allez hop. Plus de trop. Avec moins 1 d'affluence par jour. Ah, j'aurais peut-être dû attendre pour celui-là, j'avoue que c'était peut-être pas nécessaire tout de suite là maintenant. Ah non, c'était une connerie ce que je viens de faire. Donc la production des villes et des châteaux est augmentée de 2. La production des villes, pardon, et des châteaux est augmentée de 2. En nourriture? Mais non. 2? C'est énorme 2. Et la loyauté, je suis à combien là? Il y a moyen de faire des lois pour que la loyauté elle soit bien. Hein. Et augmenter la nourriture, ça serait pas mal hein, actuellement. Ah, j'ai vu le moins 10 là. Ah ouais, la bouffe. La bouffe, vite. Vite. Ah merde, droit de chasse. Ah, vous avez le droit de tout bouffer, vous pouvez tout bouffer. À l'écologie, on verra plus tard. Je vous laisse, bonne soirée, bisous Camille. Merci d'être passé sur live. Créer un nouveau clan avec un compagnon. Ah mais ça me coûte 500 d'influence. Pour l'instant, je préfère voter mes lois, hein, je t'avoue. Tout de suite là maintenant. Je préfère d'abord voter les lois. Et d'autant plus que quand je crée un clan, le clan va voter contre mes lois et tout. Donc il faut clairement mettre en place mon royaume avant. Avant que je commence à avoir des clans avec moi, quoi. Enfin du moins avant d'en avoir beaucoup. Alors qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Mercenaire du roi, le dirigeant gagne le double d'influence de la part des mercenaires. Les clans non dirigeants gagnent plus 10 d'influence en moins sur ton combat. Bah ça m'intéresse de fou. Ça c'est trop bien. Trop bien ça. On prend. Privilège royal c'est quoi? Privilège royal. Pour les décisions du royaume, le coût en influence du dirigeant pour outrepasser la décision populaire est réduit de 20%. Ça étant donné qu'il n'y a pas de décision populaire et que c'est toujours moi qui choisis et que je n'ai pas à mettre d'influence, ce sera pour plus tard. Mais oui, effectivement, c'est très important. Mais quand j'aurai des clans avec moi, quoi. Guerre des taxes. Alors ça, non. Hein. Taxe de guerre, je crois que c'était ça le truc, non? C'était où? Moi, je sais pas. J'ai dû passer dessus. Dévaluation de la monnaie, surtout pas. Charte des châteaux, on s'en fout un peu. Plus de loyauté, production de milices augmentée. Ouais, mais non, moins de loyauté quand tu auras. Mais ouais, non, ça m'intéresse pas. Bref. Les clans de niveau 3 et plus gagnent 0,5 d'influence. Non, ça m'intéresse pas du tout. Les villages octroient 0,2 points d'influence par jour aux clans. Les dirigeants, les villes gagnent 1 en sécurité, mais perdent 1 en milice par jour. Dans mes villes, j'ai combien de milices par jour? À la retraite, base de prospérité, terrain de milice. Ah ouais, genre ma milice, ça va devenir flinguée, genre. Si je vote cette loi. Si je vote cette loi, mes villes vont se vider de leurs milices? Non. Ouais mais attends, le gain en influence est monstrueux. J'en ai combien de villages? J'en ai tellement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Allez. C'était quoi la loi? Je sais plus. Canton. Non. C'était ça. Servage. Bien vu. Oh, qu'est-ce que vous êtes réactifs dans le chat. Merci à tous. Tac. Voilà, plus 4,2 le servage. Oh là là. Oh là 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 là, la dingue. Plus 20 par jour. Privilège royal. Non, ça sera pour plus tard, on l'a vu avant. Héritage féodal, les clans gagnent 0,1 d'influence pour chaque fief qu'ils possèdent. Les coûts pour évoquer un fief d'un clan est doublé. Le coût. Mais à foutre. 0,1 d'influence pour chaque fief qu'ils possèdent.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 0,9 par jour en plus. J'achète. Commission royale, me dit-on dans le chat. Alors, héritage féodal pour l'instant. Héritage féodal. Commission royale. Le coût d'influence pour créer une armée est réduit de 30% pour le dirigeant. Les armées menées par le dirigeant gagnent en cohésion pour un coût réduit de 30%. Les armées menées par des nobles non dirigeants coûtent 10% d'influence en plus à leur création. Ça m'intéresse, mais pour plus tard. Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas du tout. Les exploits militaires octroient 20% d'influence supplémentaire. Les gages des troupes sont augmentés de 10%. Ça, c'est très fort, ça. Néanmoins, il y a l'autre truc à faire avant. Et le fait d'augmenter le prix de mes troupes de 10%, vu le nombre de troupes que j'ai, et vu combien ça me coûte l'entretien de tout ce que j'ai, ouf, ça serait pas... Ouais. C'est pas glorieux, quoi. Allez hop, plus 22,5. Charte des châteaux pour des TD, non? Pour TD. Non, charte des châteaux, franchement, ça m'intéresse pas trop pour l'instant. C'est vraiment l'un des derniers trucs à voter. Mes châteaux, ils sont quand même pas mal améliorés. Hein. Pas mal améliorés, ça c'est des murs niveau 3. Hein. Et les autres châteaux, ils sont à l'intérieur des terres. M'intéresse pas trop. Fracas, tu devrais créer... Mais j'ai déjà dit tout à l'heure que je préférais attendre. J'ai déjà expliqué Val de Prunia, genre 5 minutes. Je ne crée pas de clan tout de suite parce que je vote toutes mes lois avant d'avoir des clans qui s'opposent à mes lois. D'abord, je fais mon état autoritaire et ensuite, j'impose la loi. je dis, vous avez le droit de parole et ensuite, j'essaie d'imposer des lois où j'essaie de baiser tout le monde. Bah non. Bailly, ce serait pas mal pour toi. La sécurité de la ville augmente de 1 par jour. Les villes avec une sécurité supérieure à 60 octroient 1 d'influence supplémentaire au clan dirigeant. Mais non. Toutes mes villes, elles sont full sécurité. Les taxes des villes sont réduites de 5%. Ah. Oh. Ah ouais, quand même. Hein. 1. 2. 3, 4, 5, 6 par jour. Non, 5. Calmons-nous. 5. T'as pas assez d'influence, je sais, mais dans un jour, j'ai l'influence qu'il faut. Bien vu. Je vais faire ça. Je vais voter ça. Là, il faut un maximum d'influence. Hein. Il faut influer. Très clairement. Il faut pousser là-dessus. Propriétaire du château, bah c'est moi. Hein. Qui d'autre pour l'instant? Personne. Allez hop, je recrute les troupes que je peux. Je vends les prisonniers. J'achète les mercenaires. Et on va se balader dans les autres villages. Bon, je dissous l'armée. Je mets mes groupes en défensif, c'est déjà le cas. Et je vais acheter de la bouffe pour la mettre dans une de mes villes qui va bientôt être en famine. Et ça serait la pire des choses. L'argent, j'en ai. Il faut juste trouver les stocks de nourriture. C'est le royaume est créé, je débarque. Absolument, le royaume est créé. T'as une compétence à mettre, non? Non, je pense pas que ce soit pour moi. Ah si, bien vu, merci. Les colonies gouvernées gagnent plus 0,5 en milice par jour. Oui, mais je ne suis pas gouverneur. Toutes les troupes dans votre groupe gagnent plus 1 d'XP supplémentaire par jour. Oui. Les troupes dans votre groupe gagnent plus 5 points de vie. Réduit le coût de recrutement des troupes d'infanterie de 20%. Moi, je prends le 2, là. Le 2, il est quand même sacrément cool. Les chances de récupération médicale s'appliquent également aux ennemis. Donc, on a plus de chances d'avoir des prisonniers. Augmente votre santé maximum de 5. Réduit la pénalité de vitesse de groupe blessé de 50%. Augmente la santé de chaque monture dans votre groupe de 15. Plus de vie pour les chevaux. Augmente ma vie à moi. Plus de prisonniers. Réduit la pénalité de vitesse de groupe blessé de 50. Je sais pas. Non mais si tu perds la bataille, bon.
Non, mais il n'y a pas d'histoire où tu perds la bataille et puis ils se barrent avec tous leurs blessés. Des mercenaires t'ont lâché, mais non. C'est pas vrai. Mais non. Allez, pénalité de vitesse. C'est pas vrai. Vous mentez, je vous crois pas. Oh les bâtards, on est tout seul. Non. Non, je suis seul. Reviens là, toi. Reviens là. Est-ce que c'est lui le chef ou pas? Matisse. Ça a pas l'air d'être lui. Je me souviens pas de son nom. C'est pas lui. Aïe, 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 il est où lui? C'est la merde. C'est la merde. Et ce sera pour le prochain live. J'essaye juste de retrouver ce gars-là, mais il est déjà parti. Il est loin, très très loin. Regardez, j'ai plus de troupes. Je vais bien la prendre dans mon cul. Il est là! Reviens, reviens vers le droit chemin, regarde ta bannière. Ta bannière est encore aux couleurs de ma nation. Je sais que tu m'aimes au fond de toi, au fond de ton cœur. Reviens, ça y est, c'est bon, je l'ai Wololo. Je l'ai Wololo back. Je l'ai contre Uno. C'est bon. C'est bon. Mais t'avais pas deux autres groupes de mercenaires? Mais si, mais les deux m'ont chié dans les pattes. Les deux m'ont chié dessus. Donc bon. Super quoi. Bon, ça va. Ça va, on a notre groupe, on a notre influence qui monte très, très fort. Je vote pour la loi incroyable, qui va me faire gagner énormément d'influence, même si ça va me faire pas mal d'argent quand même. Ce qui est fort dommage. Mais tant pis. Tant pis pour l'argent, on a des stocks, c'est le but. Je gagne plus 25 d'influence par jour, ça. Magnifique. Un messager portant une offre de paix pour négocier la paix avec l'Empire Méridional est arrivée. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Putain, mon village a attaqué, fait chier. Tant pis, au diable village. Au revoir les bêtes. Merci d'être passé. Wouah, le stock de nourriture, il est flingax. J'ai pas le détail, je sais pas pourquoi j'ai autant de malus. Je vends tout. Je vends tout. Tant pis. Ah, j'ai 3 jours de bouffe là. Je suis à Danustica, j'achète. Et attendez, hop, on va libérer un peu la garnison. Ça va me permettre de remplir mon armée. Hop là. Très bien. Je vais seulement prendre la cavalerie par contre. C'est le plus intéressant. Surtout pour le gameplay que j'essaye de faire. Est-ce qu'il reste autre chose? Non. Hop. Je vais laisser les recrues, les pillards, dégueux, les miliciens foireux. Et les tribales, pas très pieux.
J'ai une rime en E depuis tout à l'heure. J'ai mis longtemps à trouver quelque chose. Hein. La vache, c'est... Je suis pas un poète. Hein. Je vous le dis, je suis pas un poète. Allez. La bouffe. Oh, Danustica, je vais vider les stocks. Ils ont un stock de nourriture à fond les ballons. Je vide tout. Je vide tout. Peu importe le prix. Qu'importe la ruine. Oh là, c'est quoi ça, c'est cher. C'est cher, sa mère. Oh la vache. Tant pis, qu'importe la ruine. Une nouvelle fois. Hop. Et maintenant, j'ai mon armée. 700 hommes. Elle est là. On avance vers l'ennemi. Tant pis pour nos villes, nos villages. Tant pis mes hommes, c'est la vie. On ira, on va l'assiéger, j'assiège la ville et je fais la paix avec eux. On fait ça, c'est l'objectif. Ouais, saloperie qui s'est enfui. Mais quoi, ils sont combien de groupes là-dedans? Oh les bâtards. Ils sont 1000. Ils sont 1000 dans la forteresse, ils sont plus que moi. C'est problématique. Bon. Demain, à 18h30, chers combattants, on règle la problématique. C'est... Ah la merde. Ils sont deux fois plus que moi. C'est là qu'on voit que ça pêche un peu au niveau du nombre de troupes. Ouais. Ça pêche. Attends, les gens de ta faction attaquent le village? Non. Non, tu as fumé. Vous fumez, monsieur. Fumez, monsieur. C'est marqué ça, je te jure. Ah ouais? Il y a des traîtres. Il y a des traîtres à la nation. Bon, une soirée forte en émotions. Hein. Ça y est, on a créé notre royaume. Là, on rentre dans le dur, on rentre dans la guerre. Désolé, ça m'a pris un petit peu de temps à setup. Désolé si vous trouvez que c'est un peu chiant le côté gestion de politique et tout. Mais, enfin, des lois et tout. Mais malheureusement, il faut passer par là. Et je vous avoue que moi, c'est un gameplay que je ne connais pas trop, dans lequel je ne vais pas trop en profondeur. Donc, je ne connais pas du tout toutes les lois par cœur. Même si ça pourrait, avec le nombre d'heures de jeu que j'ai. Mais en réalité, c'est pas du tout le cas, parce que je me concentre pas trop là-dessus. Et donc, ça me fait plaisir de passer un peu de temps, plus de temps là-dessus. Merci beaucoup pour le follow Nurula. Else. Chers combattants de YouTube, merci d'avoir suivi cette VOD. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire si vous voulez discuter. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. N'hésitez pas à mettre la cloche si vous voulez être notifié de toutes les vidéos qui sortent, bien sûr. On se retrouve bien sûr au prochain combat. Demain à 16h30, pour, enfin à 16h tout court, pardon, pour la prochaine VOD. Allez, ciao, 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 ciao.